le représentant. Aujourd'hui, tout le monde est unanime de l'inadéquation formation-emploi. Tout le monde est unanime du manque de ressources humaines de qualité sur le marché de l'emploi. Tout le monde est unanime également du faible taux d'insertion des sortants des universités. Voilà les raisons qui ont prévalu la création d'un cadre de partenariat entre le Conseil national du patronat du Mali et quatre universités publiques de Bamako. Ces conventions ont été signées, je rappelle, le 23 novembre 2018. Je rappelle que nous sommes en phase pilote, car les stages professionnels en entreprise constituent une des activités du cadre de partenariat entre le CNPM et les universités publiques de Bamako. Ces stages-là ont pour objectif de permettre aux étudiants ou aux sortants des universités de venir faire des stages en insertion d'entreprise, au niveau des entreprises. C'est là pour mieux préparer vraiment leur mémoire de fin de cycle. Pour cette phase pilote, nous sommes partis avec 30 entreprises pour 100 étudiants. Alors que les objectifs initiaux étaient de 20 entreprises pour 50 étudiants. Mais avec l'engouement des entreprises, voilà, elles ont toutes adhéré. Donc par rapport à cette phase, on est parti à 100 étudiants. Nous, en tant que représentants des droits de l'homme, le droit au travail fait partie des règles fondamentales des droits de l'homme. Maintenant, le droit de l'homme, le droit au travail, un contrat de stage aboutit normalement au travail, à l'emploi. Donc nous sommes vraiment contents de cette concrétisation et puis la signature des contrats de stage symbolique. Et puis nous félicitons beaucoup les représentants des chefs d'entreprise pour leurs apports. Et puis vraiment, nous voulons aussi plus d'engagement en matière de travail dans tous les secteurs socio-économiques du Mali. C'est bien et ça va nous permettre de nous adapter au milieu administratif et de faire bien nos mémoires. Les partenaires sont d'autres sont privés, comme l'entreprise qui m'a engagé, Groupe Ami. C'est une entreprise privée. Bon, le gouvernement est quand même concerné, car le ministre même était là. Et il a donné son accord et son soutien au projet.